Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 3 d'Holicube. On est enfin sorti du Nether et ça fait du bien. C'est la petite base temporaire où il n'y a pas grand chose. Une table d'enchant. Bon, avec 4 niveaux, on va pas aller bien loin. Il y a un petit village par ici, mais il a déjà perdu des maisons par rapport au. Je sais pas pourquoi ils ont démonté. Alors je sais pas trop ce qui est prévu ici. On va voir au fil des jours. Bah, comme toute nouvelle aventure qui débute, hein, j'ai quasiment rien. Donc on va aller miner, hein, passer pas mal de temps à miner. Il y a déjà un beacon. Avec célérité, régène. Pop. C'est pas plus mal de sortir en dernier ou quasiment en dernier du Nether en fait. Alors il y a la mine, elle est par ici. Pop. Une petite mine, la petite mine commune de départ. Ouais. Et bien comme toute aventure Minecraft qui débute. Portail Nether. On va aller se faire un petit peu de minage au petit, voir le plan. Et à mon avis, il doit déjà être bien truffé le. Ah ouais. Ah, il affiche pas le. Ah, oh, j'aime pas Voxel Map. On voit sur la minimap là. Si je fais W. Ah non, ça change pas la taille. Ah si. Oh, c'est pas encore si extraordinaire que ça. Hein. Bon, allez, on va augmenter un peu le nombre de galeries. Et puis. Ça manque un peu. Par contre, il va me falloir du charbon. J'ai pas du tout de charbon. Et du coup, ça risque d'être assez vite. Bon, j'espère que je vais trouver assez vite du charbon. Sinon, ça va vite devenir dangereux. Il y a des zones là. Ça doit piquer un peu. Hein. Bon, il me reste 4 flèches. Bah, si jamais il y a un creeper, on tâchera de le tuer très rapidement. Hein. Allez, on se retrouve au premier diamant. Ouais, déjà fini le minage. j'ai très vite pas trouvé de charbon et donc je me suis retrouvé dans le noir. On va pas prendre de risques. J'aimerais bien rester pendant un moment sans mourir. Oh, disons, ça fait du bruit. Du coup, on va faire du charbon de bois. Hein. On va cramer un peu de bois et puis on replantera. Hein. Alors on le replantera sur la terre ferme parce que ici ça va pas marcher. Et puis ça va le faire. A plus. Bon je viens juste tout juste hein, de démarrer. Je me suis fait un petit stock de charbon de bois. Je viens tout juste de démarrer le minage. Hein. Une granite, 52 pierres. Allez, une petite émeraude. Par contre, est-ce que je peux la casser avec de la pierre ou est-ce qu'il faut du fer? Je vais peut-être attendre, je vais venir la récupérer. Je vais la laisser sur le coude et je vais venir la récupérer avec du fer. Parce que émeraude, on en trouve tellement peu que ouais, j'ai un doute. J'aimerais bien ne pas trop la perdre, ma première émeraude. Et voilà, le premier minerai de fer trouvé. Hop. L'âge du fer. Bonne pioche. Ah bah zut. Ah brun. Bon, bah voilà. Voilà comment une journée démarre mal. Il faut forcément au-dessus. Oh brun. brun. Bon bah tant pis. Bon, je ferai gaffe. Pour les prochains, je ferai gaffe. Alors on va quand même récupérer ça. Ça on cramera tout à l'heure, on va optimiser et puis on continue. Allez go. Hop, et ben premier diamant. Alors je sais pas, j'ai dû cafouiller tout à l'heure parce que je suis retombé sur une émeraude et avec la pioche en fer on arrive tout à fait à les casser. Alors je sais pas ce que j'ai cafouillé. J'ai peut-être utilisé déjà la Wither. J'ai dû utiliser la mauvaise pioche. Alors on entend ploc 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 donc on va se méfier. Hein.
comme d'hab. Allez, attention. Ouais. Ouh, puis il n'y en a pas que deux. Oh, trois. Bon, trois, ça nous fait une pioche. C'est le début de la fortune. Allez, on continue. Donc, on va aller... Oups. Se connecter. Oui. Hop. On est dans la mine. On a fait un peu de minage. Un peu de minage au petit. Voilà, j'ai rien. J'ai pas grand chose parce que j'ai tout été remettre dans le Nether en fait. Parce que notre. A priori notre maison, elle sera dans le spawn du Nether. Donc j'ai fait celle-là. Jusqu'à ici, j'ai passé un bon moment dans la journée. J'ai pêché aussi, mais j'ai rien récupéré. Hein, avec conquérir le monde, oui, c'était nice. Ouais. J'ai pêché, mais j'ai récupéré que du poisson. Du coup, je mange beaucoup de poisson. Alors ça, sur une petite, hein, vous voyez là-haut, la mini-map sur une belle longueur. Il y a Reliant qui est en train de bosser aussi dans la mine. Alors, hop, on va aller voir, je vais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré. Alors, je me suis un petit peu enchanté quelques trucs. J'ai du P1, affinité aquatique, j'ai un petit peu d'or, je vais les finir, ceux-là. J'avais un petit peu de niveau en minant. Il y a un truc, donc au niveau diamant. Ouh, le Nebs. J'ai 16 diamants. Pop, pop, pop. Alors je m'en suis fait un, mais après je me suis aperçu, je me suis fait une pioche en diamant aussi, une solidité 3, mais que j'avais pas touché de soi. Donc il va falloir que je trouve un moyen de me faire de l'XP pour avoir une touchée de poids, pour pouvoir me toucher de soi, pour pouvoir me balader partout avec mon coffre de l'Ender. Salut Mimiche. Hop. Ouais, c'est par là. Donc là, c'est la place que Roi et ses compères se sont réservés. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire par ici. Moi, je pense que je vais me faire une petite construction, mais je n'en ai aucune idée. Alors peut-être que je vais vous demander un petit coup de main. Alors, bon, j'ai planqué mon coffre là. J'ai récupéré un peu de redstone. Un peu de lapis. Alors de l'or j'en avais plein et j'ai tout perdu dans une explosion de creeper. Parce qu'au niveau des morts j'en ai un peu plus. Hein. Je suis à 15, donc j'en ai 2 de plus. J'ai un Enderman qui m'a chopé. Pareil, hein. Alors les Enderman dans le Nether de la 1.16, faites super gaffe. Super gaffe. Parce que... Salut Fredo. Je me suis remis de mes morts. On se remet jamais vraiment de ses morts. Hein. Les Enderman dans le Nether, on les regarde à peine de très loin et paf, ils vous agrouillent et plop, ils viennent vous taper. Donc après, bah, du coup, ça m'a servi. Ah, ils ont tout cassé. Attends, il y avait une petite cache. Ah ouais, du coup, ils ont un petit peu tout caché, tout caché. Tout caché, tout caché, tout caché. Il y avait une petite cache pour pouvoir les taper. C'est comme ça que je me suis fait un œil pour un œil pour faire le coffre de l'End. Mais je l'installerai, j'installerai ça dans ma maison. Donc ça, vous avez dû le voir si vous avez vu Edo, c'est sa maison, la maison de Edo. Alors je me serais bien mis près des copains moi. Alors entre la maison d'Edo et la maison de Roi Louis, je pense que c'est libre. C'est libre mais bon bah là il y a un portail. Où est-ce qu'il mène ce portail? Mais du coup ça m'embête d'avoir un portail en visuel quoi. Parce qu'on n'a pas un accès, il faudrait avoir une belle vue aussi. Pas une vue terrible ici. Le coin me plaît pas. Après, éventuellement, je pourrais faire un espèce de...
je me disais, un espèce de tronc où dedans il y aurait un escalier et ma maison serait au-dessus. Mais du coup, on la verrait pas. Est-ce qu'on voit le portail d'ici? Bon, il faudrait peut-être couper quelques arbres. Surtout celui-là. J'aurais bien aimé voir le portail. Il est... Ah, on va être trop loin. Le portail, il est entre la... Pop, pop, pop. La zone de roi. Ah, je suis au-dessus. Et ça va peut-être pas trop lui plaire. Il doit être là-bas, mais on est trop loin. On le voit pas. Ah, dommage. Après, c'est pas évident de choisir un endroit, hein. De toute façon, patron, on refait une boutique à Brun. Elle est chère, là. C'est vachement cher d'acheter un bout de boutique chez Épierre. Hein. C'est des, ils sont durs en affaires, les gaillards. Donc, faut que je reste sur ce trou là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec cette espèce d'anneau? Voilà, je m'installe là, vue sur la maison des dos. Et dans l'anneau, je fais un grand escalier. Un grand escalier rond qui monte, qui permet d'accéder à ici. Et puis là, bah, je fais une petite... Qu'est-ce que je fais? Une espèce de... Un truc sphérique. Une boule de verre, nous dit Fredo. Alors, petit point après le live d'hier. Oups, pas regarder l'Enderman, pas regarder l'Enderman, on peut regarder le Alps, mais pas l'Enderman. Alors, les idées sont un peu plus claires au niveau de la construction. On va utiliser le trou qui est là pour faire un escalier qui va monter en spirale comme ça. Donc à base des tiges de champignons et puis du bois tiré de ces tiges. Donc ça va tourner en spirale comme ça et ça va arriver à la plateforme supérieure. Une fois là-haut, donc je serai juste. L'escalier sera juste au bord de la zone de Roi Louis. Et puis il y a la maison des Dos qui est un peu plus loin, qui est juste là-bas. Donc, pour l'instant, pour arriver sur la plateforme, c'est par ici. Hop. Voilà, donc on a l'escalier qui va arriver ici. Alors, soit je le fais grimper par ici, ou bon, on verra bien où on va arriver, mais. La maison, elle serait sur cette hauteur. Donc on aura vu chez Edo. Là, il y a une autre maison qui est en train de se construire. Le portail est par là, mais il faudra avoir un peu plus de... Si ça tombe, on en voit un bout là. Mais si on, quand on sera en solo et qu'on pourra augmenter le nombre de visibilités, enfin, on pourra le voir quoi. Pour l'instant, il faudra attendre le Optifine avec la réserve avec la réserve de chunk pour pouvoir tout visualiser, mais ça va le faire. Au niveau structure, je pense que ça va être un truc assez futuriste. Donc du coup, leur vieux bazar moyenâgeux, je voulais faire comme des sphères. Alors, au début, des sphères en quartz hein, pour que ça se pétouille bien, mais on m'a rappelé, et vous avez bien fait. Que le thème c'était dark. Dark, ça veut dire sombre. Donc on va partir sur du noir. Et puis voilà, du noir. Noir, 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 noir. Allez où la descente? J'ai mis des torches. Voilà, parce que sinon on passe sans temps à la chercher. Donc en fin de live, j'ai été chercher bah, du dark et j'ai ramené. Pierre noire, basalte. Je vais aller encore en rechercher. Parce qu'en plus, ben, il va m'en falloir pas mal. J'avais pas. Ah oui, si, j'avais aligné ici. Donc, il y avait du basalte normal, mais il y a aussi. On a essayé le basalte sculpté. Pour le coup. Et il y a la pierre noire polie, qui est pas mal par rapport à la pierre noire normale. Donc là, ça c'est de la pierre noire normale et la polie. Bonjour madame. Voilà. Elle fait un peu plus carrelage.
Hop, hop. Et le basalte normal, lui, il fait un peu plus cobblestone grise. Donc je pense qu'il y a moyen de mélanger un peu tout ça et de faire quelque chose de sympa, de faire des belles petites sphères. Des belles petites sphères. Voilà. Bon, ben moi je vais miner et puis ben, on se retrouve un petit peu plus tard. Pop, pop, pop. Eh ben, je crois que j'ai trouvé un super coin, pas très très loin pas très très loin du spawn. Et bah où il y a masse de pierres noires. Pop, 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 pop. Je sais pas combien je vais en ramener, petite dizaine de stacks, un petit peu de basalte aussi parce que je vais faire. Je vais jouer entre les couleurs des différentes de mes différentes sphères. Donc c'est cool. Voilà. Hop. En plus je suis à l'abri, il y a des ghasts, mais je me fais un petit muret, c'est nickel chrome. Hop, allez, à plus. Bon ben voilà, après deux lives, hein, ça se décante un petit peu. Quand je passe le portail, mes têtes disparaissent, elles réapparaissent après, doucettement. Et oui, j'ai pas mal de têtes supplémentaires. Ça a été un peu chaud. J'ai été chercher du matos dans le Nether, donc. Et puis j'ai un petit souci avec les Endermans, ils m'aiment pas. Donc, on a commencé. On parlait d'un escalier. Bah le voilà. Hein. Pop, pop, pop. Alors il est pas complètement. Les abords sont pas finis en haut. Donc on arrive sur la plateforme et là on va avoir, eh ben, j'ai gardé l'idée de la sphère. Ici c'est, il faudrait que l'escalier il soit là en fait. Hein. C'est-à-dire que là il faudrait que ça remonte ici. Donc on va avoir plusieurs sphères, donc au moins trois. Une sphère ici, il y en aura une autre sur le côté là. Et puis une un peu sur l'arrière pour la cuisine. Donc on va aller voir. Donc là j'ai tracé l'armature hein, pour qu'on voie un peu ce que c'est. Pour pouvoir bosser par en dessous, je vais me créer un super échafaudage repeu. Donc on voit la boule, ce que ça va donner la plus grosse. Alors sur le bord, il y aura des vitres, du verre noir. Hein. C'est pour ça que j'ai été chercher du sable, j'ai été chercher du bois pour les échafaudages, du sable. Je suis un peu léger en poche d'encre, hein. Faudra que je refasse plusieurs voyages pour avoir du verre noir. Le thème doit être le sombre, le dark side of the moon. Donc je fais une lune, voilà. La face cachée de la lune, voilà. Ça va être ma petite maison dans le Nether. Eh bien, je vais faire l'échafaudage parce que pour construire en dessous. Que je vous montre ce qu'il y a en dessous. On va se faire une petite plateforme. Hein. On va se faire une petite plateforme. Bah, je construis ça, puis je vous montre ça après. Ça, c'est ma zone spéciale super repeu anti-Enderman. J'ai fini par en avoir marre. Hein. Au bout de la deuxième mort. Alors, ces bestioles-là, tu fais pas gaffe. Là-bas, il y en a un. Paf. Il t'aggro, il déboule les packs. Bon, j'exagère un petit peu. Ceux que j'ai aggro étaient plus près, mais bon, ça fait mal quand même. Et voilà notre petite plateforme qui va bien. On va pouvoir faire le kéké au-dessus de la lava. Alors, j'ai pas lésiné. Hein. Par contre, ce que j'ai zappé, c'est que je vais aller avoir une autre boule, mais une autre sphère à dessiner. Mais on verra quand on l'aura dessinée. Avec garde du corps, garde-corps, pas garde du corps, et tout. Alors, j'espère que c'est la bonne taille, sinon bah, on l'augmentera. Hein. Ça risque d'être juste, remarque. Ça c'est le plus grand, hein. C'est le diamètre maxi qui a été fait là-haut. Et on passe juste en dessous. Pop, 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 pop. Voilà. Moi je dis que l'échafaudage y pétouille, ça serait presque dommage de le démonter à la fin. Et nous voilà. Oh. Donc normalement, ouais, on a le portail, on a la vue sur le portail ici. Donc la sphère la plus grosse,
est faite. Et ici, on en aura deux plus petites, une en rouge et une en basalte. Donc elles sont dessinées. Là, la maison des déos, son petit hangar. On va avoir des voisins. Là il y aura un escalier pour descendre en dessous. Je pense qu'en dessous je vais mettre la salle des coffres. Et donc pour l'instant pour y accéder il faut redescendre l'escalier. Et voilà. Alors c'est pas complètement fini. Il y aura peut-être probablement des fenêtres aussi, mais pas sous forme de grande baie. Et donc là, ça sera la petite salle des coffres, et on aura un escalier pour aller plus haut à cet endroit-là, ce qui correspond à juste au-dessus. Hein, le sol est là, le sol en quartz, pour que ça soit bien flashy. Pop, 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 ça devrait pétouiller. Bon, ben voilà. Rendez-vous après le prochain live. Bon, ben notre maison a un petit peu avancé lors du dernier live. On a maintenant la sphère en basalte grise qui est construite. Il va plus nous rester à faire que la rouge, qui est identique, c'est la même taille. Bon, puis on va réfléchir encore un petit peu sur les escaliers. On a fait ça un petit peu tardivement à l'arrache. Faut voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, pour aller en bas, on nous a un petit peu... on a eu un système anti-vol contre les voleurs, pour pas qu'on nous prenne notre œuf de dragon. Un cadeau d'un gentil bienfaiteur. Voilà. Bon, ben, je fais sur le même modèle la sphère rouge et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, et ben voilà, hop, c'est terminé. Bon, alors, je me suis un petit peu éloigné. D'ici, on ne voit que la première sphère, la sphère noire. Je ferai en fin de. Avec le générique de fin, je ferai une cinématique complète. Hein, je me baladerai avec mon compte cam pour qu'on voie depuis le dessus et tout ça ce que ça donne. On en voit plus quand on est. Donc là, il y a le petit manoir des maçons en train de se construire. Petit manoir. Petit manoir. Quand on est de la route. En fait, ça se fond complètement dans le décor. Et on ne voit pas. Ah là, on la voit. Ouais. Il faudrait peut-être que je mette de l'éclairage pour dire que ça la fasse ressortir un petit peu. Parce que là, c'est complètement noyé dans le décor. À la limite, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Hop, hop. Donc, j'ai plus que... Oh, zut. Oh, je poulais. Hop, 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 hop. Je n'ai plus que la déco à faire. Donc mettre quelques petits meubles. Donc ce qu'il y avait en dessous a disparu, l'accès rapide. Maintenant il faut forcément passer par là. Pop, 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 pop. Le petit escalier qui va bien, qui est terminé d'ailleurs. Et on a donc accès à la sphère basalte. Ah, encore une autre petite cache ici. Avec le fameux coin. Alors, RP, hein. RP jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est du RP. Hein. Ceux qui disent que le RP est mort, moi, je les invite à visiter mes constructions. Hein. Et là, a priori, ça sera la cuisine. Et on revient dans le salon avec vue sur le portail. Ta-ta-ta, voilà. Bon, petite cinématique, c'est la fin de l'épisode 3. J'ai mis un moment à le sortir parce que, comme je l'ai construit pas mal en live, avec le quoi qu'on fait, c'est pas forcément systématique. Alors, en déco, oui, pour terminer en déco, il y aura les têtes. Donc, j'ai déjà la tête d'Oran, j'ai la tête de Leto, j'ai la tête de Bouboune. La plus dure, ça sera la tête de Alp, ça va voir. Hein. Mais bon, la saison ne fait que commencer, hein.
on peut les acheter en fait au marché ambulant les têtes. Donc à un moment donné, il va falloir avoir du pognon sur soi, de l'émeraude. Et puis, bon, je ne désespère pas d'avoir la tête de Alps. Ça pourrait être sympa hein, d'avoir les 30 têtes ici, les 30 têtes de joueurs. On fera des échanges après, parce que par exemple, la tête de Bouboune, j'en ai plein. Bon, ce qu'il y a, c'est que tous les autres ont. Tout le monde a plein de têtes de Bouboune, donc. Et puis, c'est pas sa bonne tête. Hein. Oh, c'est pénible. Allez, fin de l'épisode, cinématique, et puis on se retrouve pour un prochain épisode sur Holicube. Je vous souhaite une bonne continuation, et puis à la prochaine. Allez, salut!